Salut, on se retrouve tout de suite pour le quatrième. Donc, mais avance-toi. Petite cinématique, comme toujours. Attendez, le temps que ça cadre bien. Oh, ça c'est du combat, un peu genre. Je pencherai même par type électrique. Regardez le truc. J'adore un truc. J'ai déjà un 3D là-dedans, elle est vachement bien représentée quand même. Mais désolé, je tremble en gros. C'est parti. Ouh, lui il a l'air chaud, mais... Oh, il est chaud là. Non, j'ai quand même. Petite sauvegarde. Je sais que ça sert à rien, mais je sauvegarde quand même. C'est comme une habitude. Je sais que j'aurais juste des escaliers à remonter, mais bon. Il s'appelle Koons. Ça me fait penser à une série qui s'appelle Rex, pour ceux qui connaissent. Ah, au pire, ouais, je peux filmer comme ça. Ouais, là, ça me gêne pas. En plus, on voit bien. Judo crack. Ouh, ça va être chiant. Non, j'ai pas. Bon, j'arrête pas d'appuyer sur A, parce que la première attaque de Hugo, c'est vol. Voilà. Oh putain, il y a un mid rock. Putain, mais ils sont balèzes. Ils sont stratégiques quand même. Ils sont un peu stratégiques. Contrairement aux autres, ils sont pas mal balèzes. Donc, bravo Gariel, dès le premier coup. Je suis désolé, mais moi je dis Hugo. Caraclé. Caraclé, apparemment, il est plus balèze. Enfin, il est peut-être pas plus balèze, mais il est plus rapide, voilà. J'ai eu vraiment beaucoup de chance là. Bravo mon Gariel là. Ah, il lui reste un point, je crois. Oh, il a fermeté ce bâtard. Donc là, je sais qu'il va utiliser un de rock. Donc en gros, je l'anticipais. Quelqu'un qui ne craint pas un de rock, Rotiflamme ou d'un. Ouais, Rotiflamme, c'est le seul. Rotiflamme parce qu'il est de type combat. Ah, mais quel con! Mais quel con, j'avais oublié. Ouais, c'est que les précédents, ils avaient pas utilisé guérison, c'est pour ça que j'ai complètement oublié qu'ils avaient la guérison. Oh, mais quel con. Oh. Ah, excusez. Bon, ça va, il utilise l'homme de rock. Ah oui, mais merde, il utilise le feu quand même. Il tape le feu, il attaque très balèze. En fait, plus le Pokémon qui utilise tape le feu, enfin, vous savez, les Pokémon, ils sont des poids. Et ben, si Caraclé et Rotiflamme, leur poids est, genre, par exemple... C'est un exemple. Rotiflamme est à 100 kg et Caraclé est à 40. Et ben, ça va enlever beaucoup. En fait, c'est la différence. La différence augmente. Enfin, la puissance de l'attaque augmente selon l'écart du poids qu'il y a entre les deux Pokémon, entre celui qui utilise Tacle Feu et celui qui va le subir. Donc voilà. Donc là, j'ai utilisé Piedisol. Ah, je m'en doutais qu'il allait faire guérison. Je relance le Piétisol. Il est mort. Non, c'est ce qu'il est. J'ai oublié. Donc, on va presque le PNB et Shiny, mais pourtant il n'y a pas cette caméra quand il est Shiny. Merde, tu vas envoyer qui? Oh, j'ai pas vu, alors par précaution, j'envoie Gariel. C'est pas du suicide, hein. Enfin, j'espère. Il envoie Betochef. Ah merde! J'aurais pas dû. Betochef était un Pokémon assez balèze, quand même. C'est l'espèce de Macogneur, mais quand même, il est un peu plus balèze, moi je trouve. Il est un peu plus balèze que Macogneur. Ouais, pas en défense. Ou alors comparé à Gariel, c'est une grosse merde. Ou alors Gariel est très chaud. Xiaofuin. Alors, elle, je connais pas. Enfin, si, je sais que c'est l'évolution de Pinfuin. Mais j'en ai jamais affronté. Ah merde, elle est plus rapide, tu connais les boulements. Aïe. Ouh, c'est balèze. C'est balèze. Donc après, je vais changer avec Hugo. Je vais changer Hugo si ça ne bat pas. Hé, hey, c'est passé. Elle a perdu des points, j'ai l'impression. Oh, c'est Space. Bon, bah, il monte à niveau 55. C'est Space, mais je vois pas mon pain, mais il y a eu quelque chose de bizarre.
Bon, enfin bref. Donc voilà, j'ai battu les 4. Donc maintenant, on se retrouvera pour N, le maître. Donc, je vais sauvegarder au cas où. Non, mais je veux pas de tes carbones, moi, je veux des guérisons. Des guérisons, tu comprends ça? Donc, un sur Gariel, un sur Roi Tiflamme. Sauvegarde, et voilà. Allez, on sauvegarde, mes petits amis. Je tiens à remercier Duan Dang. Enfin non, pas Duan Dang, qu'est-ce que je raconte. Ah mince. Light Darkness, je sais, c'est un joueur de Yu-Gi-Oh, mais il m'a... Non, Duan Dang, j'ai confondu avec quelqu'un d'autre, excusez. C'est un nom sur MSN, mais c'est pas lui, hein. c'est un autre, j'ai confondu. Duan Dang, non, justement, c'est pas Duan Dang, à chaque fois je les confonds, c'est Space. Donc Light Darkness, merci à toi pour les encouragements que tu m'as fait pour l'entraînement. Et on se retrouve pour la vidéo du boss, enfin moi en gros j'appelle ça le boss N. Allez, à plus les amis.